Je crois rêver. On se retrouve tous ensemble, comme autrefois. Pas le temps d'en profiter. Gab et les autres sont peut-être en danger en ce moment. C'est vrai. Désolé. Essayons d'abord de retrouver Yoté. Si Canver est assiégée, elle a sans doute un peu plus d'informations à ce sujet. Tabor n'est pas loin. On ferait bien d'accélérer. Ces vestiges vont pouvoir nous servir de pont. Restons quand même sur nos gardes. Il y a souvent des monstres près de ces ruines. On va devoir se battre. Parle-nous de Yoté, Joshua. Elle est loyale, déterminée, et sait se battre. Un peu comme Clive, mais en plus agréable. Il va falloir se battre. À l'attaque! Adieu! À l'attaque! Terminé! Encore de l'éther stagnant. On en voit partout maintenant. Il faudra qu'on soit prudent alors.
Allez, d'accord. À l'attaque. Vas-y. Allez, d'accord. Tabor est proche. As-tu déjà mis les pieds à Tabor ? Ça m'est arrivé, oui. Où est le rendez-vous ? C'est dans une maison à l'entrée du village. Elle nous attend à l'intérieur. Sir Rosefield, c'est un honneur. Je m'appelle Yoté, membre des Ailes Ardentes, chargée de la protection de notre suzerain Joshua Rosefield. Enchanté de faire votre connaissance. Bien sûr. Je comprends mieux maintenant. Les Ailes Ardentes ? Une organisation secrète qui protège les Rosefield dans l'ombre. Je ne sais pas grand-chose sur eux. Ils entrent uniquement en contact avec l'héritier. Autrement dit, Phénix lui-même. Ils se chargent d'organiser le rite de l'augure martial qui a lieu au Fort Phénix depuis des temps anciens. Après l'incident au Fort Phénix, ce sont les Ailes Ardentes qui ont assuré ma sécurité. Depuis le jour où j'ai quitté Rosalia, Yoté m'a constamment accompagné et protégé. Sans sa fine lame, je n'aurais pas survécu à mon périple à travers Valistea. Levez-vous, Dame Yoté. Vous avez sauvé mon frère. Je vous en suis redevable à tout jamais. Je n'ai fait que mon devoir. Alors dites-nous, qu'avez-vous découvert ? Votre Altesse. Vous aviez vu juste. Le navire aperçu près de la côte du Dominion du Cristal la nuit même de sa chute. Il s'agissait de l'Aeneriar. Cela ne fait aucun doute. L'Aeneriar. Joshua, il s'agit du vaisseau amiral des Valedois. Que pouvait-il bien faire au Dominion ? Lorsque j'ai appris l'implication de Valeud dans les récents événements à Crodrak, j'ai deviné l'influence néfaste d'Ultima, et j'ai demandé à Yoté et aux Ailes Ardentes d'enquêter. Nous avons des raisons de croire que l'Aeneriar a levé l'ancre peu de temps après le début des hostilités, et a fait voile vers le sud. Vers Canver ? Ce seraient donc des soldats valedois qui assiègent la ville ? Ou ce qu'il reste d'eux. Et l'Aeneriar ne navigue que sous les ordres d'un seul homme. Barnabas Tarn. Mais sommes-nous vraiment à l'abri ici, dans la chambre ? Les gardes de la ville font leur possible pour gérer la situation. Mais ces mercenaires ne sont là que pour l'argent. Je vous demande un peu de calme, messieurs. Nos stocks ont été saccagés et nos entrepôts brûlés. Nos navires ont été coulés, nous sommes ruinés. C'est la fin de Canver.
Vous devriez avoir honte. Dans une situation aussi grave que la nôtre, tout ce qui vous inquiète, c'est vos finances. Quel genre de dirigeant prend des décisions sans tenir compte de l'aspect financier? Impertinent! Chers membres du Conseil de Canver, veuillez nous pardonner cette intrusion impromptue. Majesté, mais enfin, qu'est-ce que vous faites ici? Alors, qu'en pensez-vous? Cet endroit semble convenir pour un séjour temporaire. Très bien. Majesté, je vous en supplie. Aidez-nous! Sauvez-nous de tous ces éthériques qui nous menacent! Vous les avez vus, n'est-ce pas? Nous vous paierons! Vous aurez tout notre or! La présence du roi est un signe, une intervention divine. Son aide mériterait rétribution à la hauteur du service rendu. Pauvre sot! Votre ignorance vous déshonore. Votre Majesté, veuillez pardonner cette question, mais d'après nos rapports, les éthériques qui saccagent en ce moment même notre cité seraient principalement Valedois. Comment expliquez-vous cette situation? Ah! Vous ne le niez donc pas! Garde! Saisissez-les et faites-les enfermer au cachot! Il suffit! Qui croyez-vous être pour penser que Dieu vous accordera son salut? La fille est encore ici, quelque part dans la ville. Elle cherche à poursuivre les projets de Sidolphus avec l'aide de Mythos. Leurs consciences sont liées, et Mythos finira par être attiré ici, par la force de ce lien. Veille à ce qu'il soit bien accueilli. Bien, Votre Majesté. Viens, Mythos. Voyons tes progrès maintenant que tu as absorbé les pouvoirs de Bahamut. Selon toi, Valeud est d'ores et déjà sous l'emprise d'Ultima. C'est ma conclusion. Au vu des actions de Barnabas ces dernières années, j'ai même l'impression qu'il coopère avec Ultima. Mais dans quel but? Que recherche Ultima? La tapisserie. Montrez-leur. Fort Phénix, à Souffle Drac, puis ici. Mais pourquoi? C'est ancien, une image pieuse. Plus rien ne subsiste de cette religion, qui s'est éteinte au fil des siècles. La fresque du fort n'avait qu'une valeur cérémonielle. Rien de plus. Pourtant, je pense que ces images pourraient nous éclairer sur les desseins d'Ultima. Cette créature au centre, celle qui semble dominer tous les primordiaux. Je pense que c'est Ultima. C'est un dieu, ou un être quasi-divin, dont la nature dépasse l'entendement humain. À côté de ça, nous avons Barnabas Tarm, qui se trouve être l'émissaire d'Odin. Il semble être au service d'Ultima, sans que je comprenne pourquoi. Ce qu'Ultima veut, c'est toi, Clive,
En revanche, j'ai du mal à cerner quel est son but final dans tout cela. Quoi qu'il en soit, les dieux n'aiment pas qu'on leur désobéisse. C'est vrai. Il n'a pas l'air d'apprécier. Clive, puis-je parler de notre secret à Yoté ? Je t'en prie. Yoté, je vais accompagner mon frère jusqu'à Canvert. Mais... Pendant notre absence, j'aimerais que vous vous chargiez de veiller sur ses protégés. Omia Lastelan Tui Sagelis. Ils vivent cachés, mais leurs repères manquent de combattants aguerris pour les défendre en cas d'attaque. Mais il est de mon devoir de... C'est également le devoir de mon frère, n'est-ce pas ? Si c'est ce que vous désirez, Altesse. Mais faites attention à vous. S'il vous arrivait quelque chose, je... Je vous le promets. Au revoir, Sir Clive, Dame G. Nous vous sommes redevables, Yoté. Allons rejoindre les autres. Yoté m'a tout l'air d'une fille remarquable. En effet, je lui dois vraiment beaucoup. Cyril, vos recherches avancent ? Oui, Votre Altesse. Mon rapport sera bientôt prêt, je vous l'assure. Au fait, si vous cherchez Yoté, elle est partie en mission, à ma demande. Mais alors, qui se charge de votre protection ? Ça ira. Mon frère, ici présent, va se charger de veiller sur moi. Vous êtes le gardien de Phénix. C'est un honneur de vous rencontrer. Je suis Cyril, chevalier des Ailes Ardentes au service de notre suzerain. Le sérénissime Joshua Rosefield. Je suis son secrétaire personnel. J'ai confié une tâche à Cyril. Il mène une enquête à Tabor afin de trouver des indices sur Ultima. Ses confrères sur le terrain lui transmettent des informations qu'il se charge d'analyser et de répertorier. Alors vous aussi, vous suivez sa piste ? Nous apportons notre coopération à votre cause, Seigneur, car telle est la volonté de notre maître. Notre devoir est d'obéir au vénérable Phénix. Joshua ? Toute aide est la bienvenue, n'est-ce pas ? Et je te garantis qu'ils sont très efficaces. Sinon, il n'y a pas plus loyaux qu'eux. Promis. Si son gardien protège l'éminent Phénix au grand jour, tel un bouclier rutilant, alors nous sommes une lame qui luit dans le noir. Pour lui... Et pour vous. Acceptez ceci, Altesse. Cette broche vous permettra d'obtenir l'aide des compagnons de l'ordre, où que vous soyez. Je me retire, Sérénissime. Bien, tenez-moi au courant. Compris. Allez, en route. Il faudra que tu m'expliques ça. Cyril était très... Tu as des connaissances pour le moins originales, Joshua.
canevaire attaqué par des éthériques? Pas se laisser déborder. Clive, regarde. La ville est-elle tombée? Les Canverois ne se sont pas encore rendus. Comment est-ce qu'on va faire pour retrouver Gab et les autres? Il y a un entrepôt sur les quais où nous devions nous retrouver en cas de problème. Dépêchons-nous. Rapide comme l'éclair. Eh ben alors, j'ai cru que toi aussi t'étais tombé du haut d'une falaise. C'est une chose qui n'arrive qu'à toi, ça. Je suis content de vous voir. Vous n'avez pas eu de problème en chemin? Rien d'insurmontable. Oh, j'en étais sûre! Est-ce que par hasard? Oui. Laissez-moi vous présenter mon frère. Joshua. Clive nous a beaucoup parlé de toi. Beaucoup trop même, j'ai envie de dire. Je suis Mid Adol, mais tout le monde m'appelle Mid. Mademoiselle. Hein? Mon garçon. Oncle Byron. C'est vraiment toi. Je n'espérais pas te revoir toi aussi.
Ces éthériques seraient donc contrôlés? Ils en avaient l'air, en tout cas. D'ordinaire, ils attaquent n'importe qui, sans aucune logique. Mais là, je sais pas, il y a quelque chose de différent. C'est ce que j'ai constaté, moi aussi. Nous en avons croisé un bon nombre en chemin. Ils avançaient en rang, comme une armée, sous les ordres de quelqu'un. Ceux d'Ultima? Peut-être. Qu'en est-il des gens? De Canvert? Morts, presque tous. Presque, mais pas tous. Il y en a quelques-uns qui se sont enfermés dans des bâtiments avant l'arrivée des assaillants. Certains dans le quartier marchand à l'ouest, et d'autres sur l'autre berge du fleuve. Si les éthériques trouvent une de ces cachettes, de lourdes portes ne les retiendront pas longtemps. Nous devons les secourir. Au plus vite. Qu'est-ce que tu proposes? Séparons-nous en deux groupes. Je vais à la chambre de commerce. Pendant ce temps, va voir du côté des villas. Jill, tu peux accompagner Joshua? Compte sur moi. Une fois là-bas, passons par l'entrée de service. Entendu. Et nous, alors? Mid, ton navire est prêt? Hein? Pas encore, je dois finir les réglages du moteur à mitril. Alors tu vas devoir faire vite. Même si nous trouvons les survivants à temps, nous ne pourrons pas les ramener à pied. Je vais faire de mon mieux. Veillez à ce que Mid puisse travailler rapidement. Tu peux compter sur moi. Je veillerai sur eux. Gab, Byron, on y va! C'est Sir Rosfield, petite impertinente! On y va? Et toi, veille bien sur ton maître. Soyez prudents. Tous les deux. Toi aussi. En route, Talgor. Allons secourir les survivants. Qu'est-ce qui se passe? On se refait, vous allez le regretter! Que font ces orques ici? Ils ont déjà pris le contrôle. Ah!
Adieu! Come on.
Gab. Il doit y avoir des survivants dedans. C'était donc vous, mon cher Mythos. Je me demandais bien d'où venait toute cette agitation. Je vous reconnais. C'était vous, Arosalis, si je ne m'abuse. Vous travaillez pour Valeud. Que faites-vous ici, avec une armée de monstres éthériques? Des éthériques, vous dites? Allons donc, quel vilain mot que voilà. Ces loyaux serviteurs de Dieu sont libérés de ce fardeau que l'on appelle volonté et qui vous pousse à la folie. Ils sont purs. Ils sont divins. Quoi ? Leur quiétude a remplacé les cris des habitants de la ville. Vous allez payer pour ces crimes. Fort bien. Je l'admets, j'étais impatient que cette opportunité se présente. Que le roi Barnabas me pardonne ce petit écart. Je n'abîmerai pas le réceptacle. Je me nomme Sleipnir Arbard. Et vous allez vous soumettre ? Allez, Mythos. Mettez tout votre cœur au combat. Cher Mythos, si vous n'y mettez pas du vôtre, nous perdons notre temps tous les deux. Je vais donc devoir mettre le feu aux poudres.
quoi encore? Un cadeau de l'arsenal de mon roi. La lance Gungnir. Ouvrez bien les yeux, ours. Oui. Oui. Pouvoir de Mythos. Mon roi.
Clive! Tu n'as rien? Content de vous voir. J'étais inquiet. Malheureusement, on n'a rien pu faire pour eux. On est arrivé bien trop tard. Ouais, c'était pareil pour moi. Il faut qu'on aille prévenir Gab. Qu'y a-t-il ? Non, rien. J'espère. Tu nous quittes déjà, Mythos? C'est le roi. Exact. Vous êtes en présence de Barnabas Tarm. Le roi sans âge et le souverain de Valeud. Reculez. J'attendais mieux de celui qui a défait le commandant de mes troupes. Mais il ne fait aucun doute que tu es bel et bien Mythos. Tu recèles un grand potentiel. Je le sens. Pourquoi tu m'appelles Mythos ? Mythos est le socle du monde. La pierre angulaire de toute création. Un digne réceptacle. Pour un dieu. Comment ça? Je suis censé servir de réceptacle pour Ultima? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je ne me laisserai pas faire. J'ai un but dans la vie, un engagement envers les miens. Dieu ou pas, je ne laisserai personne s'y opposer. Alors tu t'entêtes à affirmer que tu es un homme et que tu disposes de ta volonté propre. Je vois, le maître avait deviné juste. Nous devons briser ta conscience. Par ici!
dons des primordiaux gâchés par un manque de pitoyable. Est-ce qu'il va s'en tirer ? Le pouvoir de Phénix soigne les plaies charnelles, mais rien de plus, hélas. Pour le reste, ça dépendra de lui. Alors, si je comprends bien, vous avez construit le navire dans cette grotte ? C'est un véritable port souterrain ? Il faut dire que ce vaisseau regorge de secrets de technologie. Si on l'avait construit au vu et au su de tous, on aurait attiré l'attention. Ah, enfin. Alors, comment va Clive ? Mon pauvre neveu. J'imagine qu'il a de la chance d'être vivant. J'ai cru qu'il était perdu quand vous l'avez ramené. Barnabas a lacéré son corps de part en part avec son épée, en épargnant aucun nerf. Mais tout me laisse à penser qu'il voulait le laisser en vie. Est-ce que tu en es bien sûr ? Permettez-moi, Sir Rosefield. Ce n'est pas à vous de vous charger d'une telle besogne. Allons, c'est la moindre des choses que je puisse faire pour mon pauvre neveu. Je sais, mais... Vous avez tellement fait pour nous déjà, en nous aidant à financer le repère et maintenant le navire. Je voudrais pas abuser. Clive a pris tant de risques, et tout ça, alors qu'il me connaît à peine. Décidément, vous êtes tous fous dans cette famille. Ben... J'aime aider les gens. Clive ! Tu vas mieux ? Mon garçon ! Je veux juste sauver des vies. Il n'y a que ça qui me motive. C'est Sid. Je veux dire, c'est ton père qui voulait ça. C'est tout lui. On était morts d'inquiétude. Et Léva le doit. Plus longue d'un éthérique qu'en ville. C'est à peine croyable. Et Laineriar a levé l'ancre. Je suis prêt à parier que le roi était à bord. Clive. Jill n'a pas pu s'échapper. Comment ça ? Elle s'est interposée pour t'assurer une sortie. T'en fais pas. Je sais qu'elle va bien. Moi aussi, j'en suis convaincu. Je perçois encore le flux de l'éther de Shiva. Il faut qu'on rattrape Laineriar. Jill doit être prisonnière, près du roi. Non mais oh, attendez! Le navire est pas encore prêt. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais les pièces que j'ai ne sont pas assez robustes pour la puissance du moteur à mithril. Y a pas une solution. En y réfléchissant, ça serait étonnant que mon père ait pas trouvé une solution à ça quand il a conçu ce moteur. Il devait avoir des pièces spéciales. Ça date un peu, mais on avait rapporté des objets trouvés dans les décombres de l'ancien repère. C'est Otto qui s'est occupé de l'étrier. Peut-être qu'on pourrait trouver une piste en fouillant un peu là-dedans. Alors y a qu'une chose à faire. Vous allez préparer le départ. Moi, je vais voir Otto. Clive, tu dois encore te reposer. D'accord. Je me reposerai après ça, c'est promis. Mmh.
Gab m'a dit qu'Otto savait quelque chose. Vous savez, on n'est jamais trop prudent. Soyez prudent. Clive. Tu veux quoi? Bonjour, Clive. Alors, qu'est-ce que vous cherchez? Revenez me voir. Ou non. C'est comme vous voulez, après tout. T'as tout ce qu'il faut? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je suis content du résultat. Ça va te servir, j'en suis sûr. Au revoir. Contente de vous voir en vie. Alors, qu'est-ce que vous cherchez? Ça devrait renflouer un peu vos finances. Vous avez autre chose à vendre? Ça devrait renflouer un peu vos finances. Ah, affaire conclue. Vous avez autre chose à vendre? Le compte y est. Excellent choix. Le compte y est. Excellent choix. Soyez prudent. L'histoire t'intéresse? Vous avez entendu les rumeurs au sujet de l'attaque de Canver? C'était déjà compliqué de sortir avant, mais avec tout... Clive? Tu es de retour? Que s'est-il passé à Canver? On tient bon, mais c'est une longue histoire. Eh ben dis donc, je peux dire que je m'attendais pas à ça, bon sang. Mais au moins tout le monde est en vie. Pour ce que tu cherches, je suis désolé, Clive. Mais je vois pas de quelle pièce... Tu as des affaires de l'ancien repère, je crois. Oui. On a pu sauver un bon nombre d'objets et de bricoles des ruines, qu'on a en grande partie réutilisées ici. Les affaires plus personnelles ont été remises aux proches. Concernant celle de Sid, il faut voir chez Mid. Dans son atelier, donc.
terrible. En brune et le bourg du Sassou. Tu sais où on est mis, toi, avec l'entreprise? Ça m'a l'air d'être le journal de Sid. Mais s'il est là, c'est que Mead a déjà dû le lire. Voyons ce qu'il y a d'autre. Ah, comment ? Qu'est-ce que c'est ? Du tabac. Aucun intérêt d'en apporter à Mead. Bonjour, Sid. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Vous cherchez des pièces? Si Mead apprend que vous avez mis tout en dessus-dessous, elle va vous étriper. Je vous aurais prévenu. Sid, j'ai appris que Canvert avait été attaqué. Mead est encore au chantier naval. J'espère qu'elle va bien. J'ai déjà vu cette poupée dans les quartiers de Sid. Elle devait être à Mead. Oh. Il y a un papier dedans. Ça parle du trésor de Sid. C'est un bon début. Sid aurait caché quelque chose dans la première œuvre de Mead. Qu'est-ce que ça peut être? Demandons à Otto. Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? Sid! T'en voilà parmi nous! Blackthorn n'est vraiment pas du genre commode. Si l'histoire t'intéresse, je te suggère d'en prendre. Déjà compliqué de sortir avant, mais avec... Alors, t'as trouvé quelque chose? Bien possible. Saurais-tu ce qu'est la première création de Mead? Voyons. Quelle était sa première création? Ah oui, ça doit être l'Orchestrion. Elle ne devait pas avoir plus de 11 ans, voire 12, quand elle a construit cette machine. On était bouche bée. Surtout son père. T'aurais vu comme il était fier de son Butchou. Et quel est le rapport avec ce qu'on cherche? Je pense que Sid a dû cacher une pièce dedans. Ça m'étonnerait pas. Bon, tu n'as plus qu'à aller vérifier. L'Orchestrion n'a pas bougé, il est toujours dans le réfectoire. Je l'ai pas cassé. Moi, je l'ai pas cassé. De quoi est-ce que vous parlez? Rien. On n'a rien cassé du tout. On n'a pas cassé l'Orchestrion. Pourquoi? Il ne marche pas? On dirait. Il marche? Et puis non. Tu vois? Et vous n'avez touché à rien, tous les deux? Non. Rien fait. On a juste voulu mettre toutes les chansons en même temps. Alors on a appuyé sur toutes les touches. Comme ça.
Ah, c'est jeune. Allez, poussez-vous de là. Là, il y a quelque chose pris dans les rouages. Tu l'as cassé ? Ça va aller ? Non, enfin, oui. Bon, ça dit quoi, là ? Ouais, il y a du son ! Tu l'as réparé ! Mais ça, c'est nouveau ? Oui, c'est nouveau. Non, jamais entendu celle-là. Cette musique s'est lancée quand j'ai retiré ce... ce truc bizarre. Ça doit être la pièce. C'est bien ça, le trésor de Sid, ouais. Il me l'avait montré, ça me revient. Il l'avait appelé l'ultime pièce de son rêve. Voilà la pièce manquante de l'entreprise, pour sûr. J'espère. Allons voir si nous pouvons concrétiser son rêve. Vous cherchez, c'est urgent. Daria ? Qu'est-ce qui se passe ? On a un petit souci. Notre prince s'est sauvé. Dion le sage ? Oui, il s'est fait la malle quand j'avais le dos tourné, figure-toi. Ouf ! Envolé. Avant d'aller acheter une barque à Obelos pour ne pas rentrer à la nage, il a quand même laissé un message. Tu veux partir à sa recherche ? Non. Il a tout un empire sur ses épaules. Il a sûrement ses raisons. Le pauvre, il aurait mieux fait de rester au lit. Il est encore très loin d'être guéri. Tout comme toi, j'imagine. Otto m'a raconté tes déboires à Canvert. Je me demande pourquoi les princes détestent autant récupérer. Je demanderai à Joshua. Je dois retourner à Canvert. Alors essaye au moins de ne pas trop forcer. En tout cas, tâche de rester en vie. Je ne peux pas rester ici, alors que l'Aineriar continue de s'éloigner. Je dois me dépêcher. Merci, Clive. Je crois que ça va le faire. Beau travail, Mid. Il avait peut-être prévu que tu retrouverais tout ça, qui sait. On va les rattraper ? L'Aineriar est à la pointe de la technologie et très rapide. En cette saison, le vent est en leur faveur. Un bateau normal n'aurait pas la moindre chance de le rattraper dans ces conditions. Mais ce navire est spécial. Car ça, c'est l'entreprise ! Le moteur à mitril de mon père a des capacités exceptionnelles. Oh, je n'en doute pas.
Clive, que sais-tu de Barnabas Tarn ? Seulement ce qu'en chantent les bardes. Qu'il est arrivé d'un lointain continent par la mer, et qu'il a réussi à devenir roi à la seule force de son épée. Zantetsuken, la lame d'Odin, peut trancher même le plus dur des diamants. Mais ça ne nous mènera à rien de nous torturer l'esprit. Concentrons-nous sur notre objectif. Tu as raison. Éteins ça ! Merde, je crois qu'ils nous ont trouvés ! Hey ! On nous attaque ! Quoi ? On va les retenir pendant que tu prépares le navire ! Mais fais vite ! Rat de cale ! Les gars ! Tous à vos postes ! Est-ce que vous êtes prêts ? On s'en tire pas mal. Allez, Melaskar, montez tous à bord. On va larguer les amarres. C'est un ordre du capitaine. Clive ? Mais je le croyais mort. J'ai compris. C'est ça que je ressentais.
Sleipnir n'est pas humain, Clive. C'est une entité magique créée par Odin. Mais par tous les diables, vous ne pourriez pas avoir des ennemis normaux. Prêt à remettre ça ? Bien sûr que oui. Faut pas me le dire deux fois. Garçon, il fut un temps où j'avais pour surnom Byron le Bourreau. Tant d'erreurs de la nature. Tremblez, on va vous massacrer tous autant que vous êtes. Vite ! Tu m'entends ? Par devant ! On arrive ! Hein ? Non mais vous êtes fous ou quoi ? Oh, bon d'accord ! Levez l'ancre ! En avant ! Vitesse réduite ! Prudence, mes amis. Les défis sont bien plus dangereux que les éthériques. Ils n'en viendront pas à vous facilement. Ne t'en fais pas. Avec ma hache, c'est du petit bois. S'ils me cherchent, ils vont me trouver. C'est pas où il y en a autant que tout à l'heure. C'est pas le moment de compter. Il faut qu'on tienne, c'est tout. C'est bien, mais elle commence à me fatiguer, la famille nombreuse. Par ici, je suis conforme. Que voulez-vous ?
ce n'est pas une façon de traiter ces geôliers. Tu te fatigues vraiment pour rien. Tu vas servir d'offrande pour Mythos. Alors tiens-toi tranquille. J'avais su que je me retrouverais à ramer comme au bon vieux temps. Depuis que je t'ai retrouvé, c'est chaque jour de nouvelles surprises, décidément. D'autant que tu t'es mis à dos des ennemis sacrément dangereux, Clive. Tu comptes sérieusement les combattre jusqu'au bout, malgré les risques? Oui. Je veux que tout homme puisse vivre librement. Pas question de renoncer. Ah! Tu sais, tu as le même air obstiné que ton père lorsqu'il se mettait quelque chose en tête et qu'il n'en démordait pas. Cela dit, même si je vous aide, je ne suis qu'un seul homme. Ce n'est pas ça qui fera la différence sur le champ de bataille. C'est pour ça que je m'en vais demander de l'aide à un vieil ami à Randella qui pourra mobiliser des soldats d'Almec. Tu sais, Clive, j'ai encore tout un tas d'anecdotes sur la jeunesse de ton père. Et je compte bien toutes te les raconter, alors ne t'avise pas de mourir. Compris? J'en serais ravi. Alors, bonne chance, mon oncle. Quant à toi, Joshua, ménage-toi. J'y veillerai, mon oncle. Je vous ramène une armée, c'est promis. Essayez de tenir bon jusque-là, mes chers neveux. Bon vent. Allez, on se relâche pas. Bon. Pas question de le laisser faire tout le travail. On va lui montrer ce qu'on sait faire. C'est moi qui...
ont pris le cap de Valeud, ils seront obligés de longer Zemeckis pour traverser le détroit. Actuellement, nous nous trouvons à cet endroit. Avec notre vitesse actuelle, on devrait les rattraper. Ils ne risquent pas de contourner le Gris-le-Vent par le sud ? C'est une voie bien trop périlleuse, surtout en cette saison avec le vent du sud-est. Je te garantis que Mid sait ce qu'elle dit, Clive. Ils ont mis le cap au nord en quittant Canver. Il n'y a plus qu'à les suivre et c'est bon. On les a rattrapés ! On les tient ! Bougez-vous, les gars ! En avant que doute ! Et gardez les moteurs à plein régime ! C'est eux, non ? Oui. Vous tous ! Prends le bas de combat ! Montrons-leur ce que ce navire a dans le ventre. Alors, Mythos, tu es venu chercher mon offrande. Le lien mental qui vous unit, elle et toi, est d'une solidité à toute épreuve. Je m'attendais à ce qu'il soit difficile à rompre, mais loin de faiblir, il est en réalité devenu plus solide que jamais. C'est fascinant. De résister à ma lame. Nom d'un Ron Morphle ! Je vais te sauver. Thank you.
Clyde! Joshua! Il est là! C'est lui, capturez-le! Joshua, j'arrive. Alors tiens bon. Apportez les frères! À moi la foule! On débarque! Adieu! Je t'expliquerai. Attends. Tu peux marcher? Ça ira, je pense. Il l'a esquivé! Phoenix. Si tu es un des fils du feu, alors prouve-moi que tu maîtrises les pouvoirs dont tu as hérité. Oh
Odin. Tu ne me laisses pas le choix. Tu vas tenir le coup. Je pense, oui. On est coincés. Joshua. Oh, Phoenix. Eh bien, il s'en sortira sûrement. Qui aurait cru que le lien mental qui l'unissait à toi était si robuste? Il est impossible de le rompre aisément. Je comprends que le maître éprouve quelques difficultés. Le monde sera bientôt recouvert de noir. Et à ce moment, tous les êtres vivants seront anéantis. Nous allons mettre fin au fléau noir. C'est dans ce but que nous détruisons les cristaux mères, pour sauver ce monde du naufrage qui le menace. Tu crois donc que c'est là ton destin ? Nul ne saurait arrêter le fléau. Même les dieux ne peuvent s'opposer à son avancée inexorable. Tes efforts ne servent strictement à rien. Tu ne sauveras personne. Il est temps de regarder la réalité en face, Mythos. Tu dois rejoindre les dieux et accomplir ton destin. Jamais. J'ai juré de me battre pour mes convictions. Tu te laisses encore entraîner par cette ridicule volition. Alors, je vais te révéler ton destin sacré. Il est grand temps que tu comprennes. Approche, Mythos. Jill, il faut te mettre à l'abri. Clive, non! Ça ira, promis. Je vais en finir avec toi.
Quelle témérité. Mais je suis là pour te dresser, te rappeler quel est ton devoir. Tu as bien progressé depuis notre dernière rencontre. Je suis impressionné. Mais comme réceptacle, je crains que mon maître ne te trouve encore. Déficient. Il faut te discipliner. Tu prétends détruire les cristaux verts dans le but d'arrêter le fléau. Une idée imbécile que t'a donnée un imbécile. Comment oses-tu? Tu ne sais rien de la nature de ce monde ni de la place que tu y tiens. Nul ne saurait changer son destin aussi facilement. Tu ne peux l'ignorer. J'en ai assez vu. Si tu t'obstines à refuser ton destin, je vais devoir avoir recours à d'autres moyens. Bien joué, Tanner. Tu abandonnes déjà? Jamais. Clive! Ne comprends-tu pas? Cette volonté que tu dis si forte, elle t'entrave comme un fardeau et t'écarte de la voie. Mais où veux-tu donc en venir? Mythos, à ton avis, que sont les émissaires? Des instruments qui reçoivent un fragment de pouvoir divin, qui portent en eux la puissance et l'autorité pour dominer le monde au nom du Maître. Les émissaires existent uniquement dans ce but. Nous sommes bien plus que ça. Cette puissance divine est incommensurable. Elle est si intense qu'elle consume tous ceux qui la manipulent. Quand elle atteint son paroxysme, il leur est impossible de conserver leur humanité. Et ainsi, ils se transforment en aberrations inhumaines gouvernées par ce pouvoir insensé, les primordiaux. C'est un fardeau bien trop grand, même pour ses élus. À part pour toi, Mythos. Tu as le pouvoir de plusieurs primordiaux, et pourtant ton corps n'en souffre aucunement. Quoi? Que veux-tu dire? C'est pourtant simple. Les primordiaux ne sont que des sacrifices qui te sont destinés.
Ton rôle de réceptacle divin est de dévorer les émissaires, dans le but d'obtenir des pouvoirs dignes des dieux. Comment ça ? Mythos, ta conscience t'aveugle. Tu as oublié ton instinct originel qui est de te repaître des émissaires. Tant que tu ne te remémores pas ta mission réelle, tu ne parviendras jamais à percer mes défenses. Enfin, si cela peut te consoler, sache que tu n'es pas seul dans ton erreur. Le carcan de la volonté emprisonne toute l'humanité. Mais notre maître, dans sa grande mansuétude, a pris les hommes en pitié et décidé de leur venir en aide. Grâce à l'expurgation, ils retrouveront leur forme légitime. Mais de quelle forme parlez-vous ? Je parle de loyaux serviteurs de Dieu. Non. Des éthériques, vous dites. Allons donc, quel vilain mot que voilà. Ces loyaux serviteurs de Dieu sont libérés de ce fardeau que l'on appelle volonté et qui vous pousse à la folie. Ils sont purs. Ils sont divins. Tu veux dire rendre tous les gens éthériques ? Tout à fait, Mythos. Comme il se doit. Pendant trop longtemps, les humains ont été pervertis par leur volonté sacrilège. Il est temps qu'ils retrouvent un monde de quiétude et d'égalité. Ils seront sauvés et trouveront la rédemption. Pas question ! Nous n'accepterons jamais de nous laisser faire ! Nous ne voulons pas de votre rédemption. Nous bâtirons notre monde, et nous vivrons comme nous l'entendons. Les hommes ne sont pas vos pions. C'est vraiment curieux, quand vos volontés s'embrasent, les liens qui vous unissent se resserrent un peu plus. Mais peut-être que ceci pourrait s'avérer utile. Clive ! Les émissaires restants semblent tous proches de toi. Si les liens qui vous unissent sont assez forts, tu pourrais même dévorer leur pouvoir de ta propre initiative, sans que j'intervienne. Ce n'est certes pas la voie que mon maître a tracée. Mais le résultat est le même. La côte est proche. Je vais geler la voie. Tu vas y arriver. Il faudra bien. On n'a pas le choix. Dépêche-toi. J'espère que les autres vont bien. L'entreprise n'a pas été entraînée dans la faille. Ne t'inquiète pas. Avec un peu de chance, ils ont vu ta glace. Attendons jusqu'à demain. Barnabas a encore eu le dessus sur moi. Je n'ai pas assez de force. Comme si tu étais le genre d'homme à te laisser faire et te résigner, à renoncer à tout pour devenir l'hôte d'Ultima. Je sais que tu ne le feras pas. Tu ne céderas jamais, j'en suis convaincue. Tu le sais. Mais tu n'as pas peur de tout ça.
Si Barnabas dit la vérité, alors je ne suis pas vraiment humain. Je suis d'ores et déjà un monstre. Quand je me transforme en Ifrite, qu'il s'empare de moi. Quand bien même, ça ne change rien à tout ce que tu as accompli, à tes choix et tes convictions. Dans le fond, ça n'a pas d'importance. D'où ou de qui te vient ce pouvoir, tu l'as toujours utilisé pour faire le bien. Toute ta vie, tu as aidé les autres. Et sauvé des vies. J'ai aussi tué plus d'une fois. Et si c'était le sens de mon destin? Est-ce que c'est ça, mon rôle? Après toutes ces années, tu es toujours le même. Tu veux toujours aider les autres et faire ce qu'il y a de plus juste. Alors tu finis par prendre sur toi. Mais ce qui m'attriste un peu, c'est que dans tout ça, tu oublies une chose très importante. Toi, Clive. Toi. Il faut que tu penses un peu plus à toi, Clive. À ton propre bien-être. Tu sais, je pourrais perdre le contrôle à tout moment. Ne dis pas ça. Tu as plus d'humanité en toi que tous les gens que je connais. Et je sais que tout ce que tu veux, c'est vivre une vie normale. Ce qui fait de nous des hommes, c'est que nous nous battons pour protéger ceux qui nous sont chers. Et ça, Clive, c'est toi qui me l'as montré. J'ai choisi de vivre pour te protéger. J'ai pris ma décision. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider. Je crois savoir ce que je dois faire. Tu n'es pas obligé, Clive. Tu le sais. N'oublie pas que je te donnerai la force de porter ce fardeau. J'ai enfin compris. Toutes ces choses ont fait de moi l'homme que je suis. Ce destin injuste de toutes mes forces jusqu'au bout. Il le
tes côtés. Je te promets qu'on pourra encore admirer la Lune. Tous les deux. Moi aussi, je te fais une promesse, Clive. Quoi qu'il arrive, nous nous retrouverons toujours, toi et moi. Merci. Le plus grand bonheur que j'ai eu dans la vie, c'est toi, Jill. Et Barnabas? Est-ce qu'on le poursuit? Non. Je pense que nous le croiserons de nouveau. Que nous le voulions ou non. Et puis, nous avons quelque chose de plus important à faire. Je sais. Eshin Drak. Détruire le dernier cristal. L'Aineria a sombré corps et biens. Valeud n'osera jamais attaquer sans lui. Mais c'est sûr qu'ils vont nous attendre. Réfléchissons. Et essayons de faire le point. Alors rentrons chez nous, au repère. Pour mieux revenir ici. Il paraît qu'Odin a fendu la mer en deux. C'est en tout cas ce que Mid nous raconte. Si c'est vrai, vous revenez de loin. J'ai encore du mal à y croire moi-même. Je ne vois pas ton oncle avec toi. Il est resté sur l'entreprise. Je lui ai demandé d'aider pour les réparations et le réapprovisionnement. Dans un port qu'il connaît bien, près de Randella. On pourra sûrement quitter le port quand on le rejoindra. C'est pas risqué, ça ? De ce que je sais, la zone est submergée par des hordes d'éthériques. Humains comme monstres sont malheureusement atteints. Ce n'est pas de tout repos pour lui. C'est un sacré personnage, ton oncle. Il se laissera pas faire aussi facilement. Et j'aimerais qu'on lui apporte tout notre soutien. Et c'est le minimum. On lui doit tellement. Je compte sur toi.
Joshua. Il est encore à l'infirmerie.